l'Empire contre-attaque. Skywalker, veux-tu rejoindre nos rangs ou mourir? Je n'ai pas peur. Tu auras peur. Une aventure épique, d'une force sans pareil. Vous n'allez pas entrer dans un champ d'astéroïdes? Ce serait de la folie de leur part de nous suivre. Tous les destins sont prédits. Tu seras attiré par le côté obscur. Les peurs renaissent. Et les secrets sont enfin révélés. Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui est arrivé à ton père. En ce moment, je me bats pour terminer dans les temps le scénario de la suite de la trilogie. Et voilà que je suis distrait par ce qui devait être un petit événement, à savoir la ressortie de la trilogie, et qui, en l'espace de quelques semaines, est devenu un énorme événement. Me voilà obligé de faire de la promotion pour des films déjà sortis il y a des années. En fait, au milieu des années 70, lorsque j'essayais d'écrire La Guerre des Étoiles, il m'est arrivé la même chose avec la sortie d'American Graffiti, mon deuxième film. À l'époque, ça a été un gros succès. J'ai dû passer mon temps à faire des interviews, à aller à des remises de prix et à faire différentes émissions télé, alors que j'étais censé terminer le scénario de La Guerre des Étoiles. Donc c'est drôle, c'est comme du déjà-vu. Ne manquez pas le chapitre final de la trilogie Star Wars, le retour du Jedi. Allons-y! Il est temps de se mettre à couvert, car l'ultime combat va commencer. J'ai toujours été très soucieux de la présentation de mes films au cinéma, dans quelles conditions ils sont montrés, comment essayer d'avoir le meilleur son possible dans les salles. C'est pour ça que j'ai créé le système THX, car j'ai déjà vu ces films projetés dans de très mauvaises conditions. Et vraiment, ça fait une grande différence. Vous ne les recevez pas de la même façon. Votre plaisir n'est pas du tout le même. Quand avec la Fox, on a décidé de ressortir les films, j'étais excité. À l'idée également de les montrer l'un derrière l'autre, dans un laps de temps très rapproché. Car de cette manière, vous n'oubliez pas celui que vous avez vu quelques semaines, voire quelques mois auparavant. Et ça, c'est très bien, car à la base, c'est vraiment une histoire de 6 heures. Et non pas comme on a été obligé de le faire, 3 fois 2 heures. Stop that ship! Blast them! La chose dont je me souviens le plus clairement, ça a été mon premier jour dans le vaisseau, le Falcon Millennium. Je me suis assis devant le tableau de bord et j'ai dit, ok, comment on fait? Comment on le fait voler? George, comment on le fait voler? George, how do you fly it? Il m'a regardé, il m'a dit, tu le fais voler, c'est tout. C'était clair qu'ils avaient absolument tout construit en ne se posant pas la question de savoir comment donner l'illusion que je pilote pour le faire voler. Parfait. Si George Lucas a réalisé La Guerre des Étoiles, l'Empire contre-attaque a été mis en scène par Irvin Kershner, à qui l'on doit également Les Yeux de Laura Mars, Jamais plus jamais, le deuxième Robocop, là encore un film à effets spéciaux. Je pense que les effets spéciaux ont une part très importante dans les films. Vous savez, le cinéma est l'un des rares médias où vous pouvez rendre quelque chose crédible. Parce que vous pouvez le voir et l'entendre. Et avec les effets spéciaux, vous pouvez créer un monde entier qui n'existe pas. Mais vous y croyez. Parce que vous le voyez, il est là comme une petite fenêtre qui s'ouvre sur la vie. Oui, c'est comme un rêve que vous réalisez. Si vous l'imaginez, c'est que vous pouvez le faire avec des effets spéciaux. Le vrai problème, c'est d'être capable de l'imaginer. Et ensuite, si vous avez assez d'argent, pour le faire, bien sûr. Maintenant, la pierre. Sans la force. Voici Yoda. En ce qui le concerne, pour obtenir ses vêtements, toutes les textures semblent être fines. Et finalement, quelqu'un a amené ce bout de tissu écru qui ressemble à de la soie, fait à la main en Inde. On l'a choisi et nous en avons fait cet habit. Regarde-moi. Est-ce par ma taille que tu peux me juger? Eh bien, tu ne le dois pas, car mon allié est la force. Vous-même, vous avez un épisode de la trilogie que vous préférez?
C'est difficile. Bien sûr que je serais tenté de dire la guerre des étoiles, car je l'ai moi-même réalisé, je l'ai écrit. Je m'y suis personnellement beaucoup investi, à un niveau supérieur que pour les deux autres. Mais il y a beaucoup de séquences sur les deux autres films dont je suis aussi responsable. En fait, j'aime beaucoup voir les trois. Mais vous avez des regrets justement de ne pas avoir réalisé l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi? Non, car à cette époque, je n'aurais pas pu les réaliser moi-même. J'avais trop de choses sur le feu à régler. Je n'aurais pas pu être présent tous les jours sur le plateau pour mettre en scène. Car en même temps, je m'occupais de la sortie d'autres films et de l'évolution de ma société ILM. Mais j'étais très satisfait du travail des autres réalisateurs. Vous savez, sur ce genre de film, le poste que j'occupais, celui de producteur exécutif, ça me rappelle le travail que l'on peut faire sur une série télé. Car vous vous occupez de tout, du casting, des décors, du design. Tout est fait avant par le producteur exécutif. Le réalisateur, lui, arrive simplement pour mettre la touche finale, en mettant en scène les acteurs et ce qui est écrit. À titre d'exemple, la mise en scène sur la guerre des étoiles, ça a été simplement un quart du boulot. L'Empire contre-attaque. Et le retour du Jedi. Tous deux avec de nouveaux effets spéciaux visuels. Le son numérique. Et quelques autres surprises. Rejoins-moi. C'est ton destin. La trilogie Star Wars édition spéciale. Vous n'avez rien vu si vous n'avez pas tout vu. Suite et fin de l'entretien que nous a accordé George Lucas à Londres il y a quelques jours. Ce sera dimanche 20 avril.